Bonjour Mathieu Duchat, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Aujourd'hui j'en ai un petit aidant qui va peut-être m'aider à ouvrir les cases du calendrier. C'est aujourd'hui. Tu vas m'aider à ouvrir les calendriers? Ou tu fais juste un petit coin là? Il vient de faire sa promenade dans le couloir de mon appart. Et là il vient de rentrer et souvent quand il rentre il fait un petit câlin. Et je me dis que j'allais ouvrir la... Allez, je te laisse aller. Fait son petit câlin. Et en même temps, je vous montre mon beau pull de Noël. J'en ai acheté deux la semaine week-end. Du coup, on va s'ouvrir les calendriers 7 aujourd'hui. Comme il veut pas m'aider. Du coup, la case 7, elle est juste ici. Qu'est-ce qu'on va voir comme Pokémon éclaté? Je vous dis, ceux-là, ils sont éclatés. Même monsieur, quand je lui montre, il est... il me dit, mais pourquoi t'as acheté ça? Parce que je pensais pas que c'était éclaté comme ça. Là, c'est Mew. C'est Mewtwo, Mew. Mew c'est, non, Mewtwo, je crois. Il est blanc et alors il a juste les trucs roses. Normalement, il est rose, pas blanc. Bon, on va dire que... on va accepter ça. Voilà. J'ai une tête fatiguée, je vous le dis. Pourtant, j'ai dormi. Il y a pas longtemps que je suis levée. Mais... celui-là aussi il va être éclaté parce qu'un jour on va se retrouver sans rien. C'est le calendrier des bouboons. La case 7, elle est juste ici. On m'a des trucs que... voilà. C'est un fruity. Fruitella mini. Et c'est aux fraises. Et ça va être bon. J'ai pas encore mangé les autres. Bon, on va continuer avec les Pokémon. Cassette, elle est là. Regardez le bon pour la fin. Je sais même pas si c'est un truc mauve. Est-ce que c'est... ah, si c'est... ça, c'est un peu mieux. Je trouve que celui-là, le Pokémon est plus ressemblant. C'est Smogo. Si je dis pas de bêtises. C'est quand même un peu mieux. Smogo. Ouais, aujourd'hui, ça peut... quand même aller, mais excusez-moi, mais je perds ma voix. Ça peut aller. Allez, aujourd'hui, on va s'ouvrir le premier Mickey. J'ai trop envie de voir ce qu'on va avoir. On est sur la deuxième ligne. Déjà 7 jours qu'on ouvre ce calendrier. J'ai fait tomber ce mango. Faut que je le retrouve. Regarde, je crois que j'ai trouvé. Du coup, j'ai le sachet. C'est qui qu'on va avoir? Ah, un pain d'épices. Oh, c'est Mickey en pain d'épices. Oh, il est trop beau. Enfin, je l'ai pas encore vu de face, mais il est beau. Là aussi, il a une moustache. Je sais pas c'est quoi, mais... mais il est quand même beau, j'aime beaucoup en pain d'épices. Regardez ça. Il est trop beau. Bon, il m'en manque un, mais notre figurine. Mogo, il est parti. Après, on va s'ouvrir. Harry Potter fleur. Oui. Faudra que j'essaye de regarder la suite. Je vais refaire complet. Là aussi, c'est une nouvelle ligne. Hop. On attrape le sachet. Ça doit être Weasley ou George. George ou Weasley, je sais pas lequel c'est. Avec la mallette ici. Ils sont habillés. On avait déjà eu celui-ci, mais en plus en plein d'autres. Enfin, moi j'avais ouvert que l'année passée, je crois. Mais l'année passée, je crois qu'on l'avait déjà eu. Du coup, voilà. Il me reste le Jack. Et puis le calendrier de Yves Rocher. Allez, on ouvre la case. Bah allez. Y'a rien. J'ai vu une erreur. Est-ce qu'il serait tombé?
Eh ben là, j'ai rien du tout. Là, je suis sur le coup. Je ne vais même pas vous dire. Là, j'ai un problème. Regardez, j'ai rien. Écoutez, je reviens. Je vais faire une pause. Je vais voir s'il n'y a pas un truc qui était tombé à côté. Je reviens. On dirait qu'il ne s'est rien passé. Mais oui, en fait, il y en avait un qui était parti ailleurs. Et comme c'est des sachets dedans, j'ai pas su me faire spoiler. C'est pour ça que je me suis permise de faire ça. Et le voilà. Et en fait, j'ai remarqué dans ce calendrier, en fait, vous avez un sachet blanc et un sachet bleu turquoise. Un jour sous deux. C'est comme ça que j'ai reconnu, enfin, que j'ai su que celui-là, elle était pour aujourd'hui. Il était parti dans la case 2 ou 3. Voilà. Ça, c'est en mettant à chaque fois, comme je les mange et descends. Ben, voilà. Allez, c'est parti, on ouvre. Si j'arrive. Et c'est. C'est gros en tout cas. Oh, oui, c'est zéro tout pailleté. On l'avait déjà eu l'année passée aussi. Je me demande bien si on l'avait eu. Non, on l'avait pas eu pailleté. Je sais pas si vous allez voir toutes les paillettes. J'ai déjà peur d'avoir tout plein les mains. On voit pas trop les paillettes avec la couleur de mes mains. Peut-être comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais il est trop beau. Il est trop beau. Ouais, j'aime beaucoup. Et le dernier calendrier de l'Avent. Puis si je sais qu'on peut mal de perdre quoi que ce soit, ça c'est bien. Mais du coup, la cassette, elle se trouve où? Ça c'est autre chose. La 7, elle est juste ici, c'est une grande case. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Je la dépose. Bien sûr, aujourd'hui tout envie de me casser les bonbons. Je retrouve la case 7. Je vais pas regarder sur le côté parce que c'est marqué c'est quoi. Hop. Et si je veux la jolie. Enfin si c'est en français. Du coup je chope. Oh c'est un produit. Je sais pas. J'aime bien la couleur. C'est un bleu mauve. J'aime beaucoup. Et du coup c'est une amande. Amande. Amandé, bain de douche, voilà, c'est un bain de douche. L'autre que je vous avais pris, je crois qu'il est dans ma douche, qui était pour les cheveux, c'était un shampoing, je les ai lavés avec ça. Bon, là, il faut que je les fasse. Je les ai attachés mes cheveux aujourd'hui, j'ai pas rebrossé. Je les ai lavés avec et ça a l'air de bien aller. Du coup, je regarderai peut-être pour m'en reprendre. Voilà. Bon, c'est des bouteilles. Je tape écologique. Ouais, c'est un gel douche amandé. J'aime beaucoup le petit flacon. C'est bien parce que ces flacons-là, vous pouvez même les réutiliser. Moi, il y en a un où je crois que je réutilisais quand j'allais à l'hôtel. Je l'avais bien rincé et j'ai remis mon savon à moi parce que je prends du Kavaïe, je crois que c'est ça le nom. Qui est en pharmacie. Du coup, je mettais dedans. J'ai pas besoin de tout ça pour me laver, quoi. Voilà. Et c'est moins lourd, surtout parce que moi j'ai les gros bidons que je prends. Du coup, on a eu ceci. J'ai perdu le Smogo. On fera 100 ou il faut que je le chope. Les deux là. Fruity Fruity et Mickey. Et le petit Smogo qui est tombé. Mais je ne sais pas où je vais. Je pense qu'il est là. Je l'ai tout de suite, alors je peux vous le remontrer. Et le petit Smogo. Voilà pour les cases 7. J'espère que ce calendrier vous a plu. Voilà, n'oubliez pas de vous dire. Ah, regardez ce que je vous disais, qu'on voit les essentiels. Les sensations. Les sensations. Réconfortant de la douceur parfum d'amande. Voilà, vous voyez, on marque, il marque ici ce que c'est. Du coup, c'est pour ça que j'essaie de pas regarder. Voilà.
Eh ben, sur ce, je vous dis à demain pour la case 8 du calendrier de l'Avent. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée.